Avez-vous déjà entendu parler de l'opération Persil, une opération secrète menée en 1959 depuis le Sénégal par les services secrets français dans le but de déstabiliser le régime de Sékou Touré? En 1958, la Guinée-Conakry obtient son indépendance après avoir rejeté le projet du général de Gaulle, un projet visant à l'inclure dans une communauté de territoires dirigée par la France. Froissée par le rejet de Sékou Touré, la France rompt ses liens avec la Guinée et pour empêcher un rapprochement entre la Guinée et le Bloc de l'Est, elle décide de la fragiliser. Propagande anti-Sékou Touré, entraînement et armement de l'opposition guinéenne pour renverser Sékou Touré, introduction de faux billets pour déséquilibrer l'économie guinéenne seront toutes des facettes de l'opération Persil. En 1960, l'opération sera découverte par Sékou Touré et finira par être démontée.